Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau Let's Play. Alors on va continuer une partie que j'avais lancée. En fait j'avais juste appuyé sur nouvelle partie, ça m'a lancé le jeu directement. J'ai juste vu la première cinématique, mais je n'ai pas du tout avancé. J'espère que vous allez bien et on est parti. On est parti, Colis. Ok, bah vous ne verrez pas la cinématique apparemment, le jeu n'en a pas décidé de la sorte. Ok, on peut pas faire des grands sauts de ce que je vois. Ça me rappelle vachement le gameplay, pour le coup, de Little Nightmares. Qu'est-ce que je fais? Y a rien dans ton livre, pourquoi tu veux que je le regarde? Est-ce qu'il faut que je fasse d'une manière... Non, ok. Je pouvais appuyer sur rien du tout. Ah! Mon cordon ombilical! Mais à un moment, je vais être retenu, non? Non? Pas du tout. Le jeu est vachement sombre, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de l'augmenter? Ok, herbe folle. Qu'est-ce que c'est? C'est un niveau à lancer? Alors en fait, dans les options, on peut juste régler le volume du son. Et rien d'autre. Mais j'ai pas l'impression que c'est un jeu où il va falloir que je me taise souvent. Alors, il y a une vieille dame, j'imagine. Je connais pas du tout le jeu, j'avais juste vite fait Benzaï y jouer. Sans rien connaître du tout. Ça m'a l'air à la fois beau et moche, dans le sens où c'est beau pour de la PS4 et pour du jeu actuel. Waouh! Attends, il y a un. Ouais, bon, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur du scrolling. Comment dire? Voilà, je peux pas aller au fond de l'image, c'est tout droit, quoi. D'accord, il veut attraper les papillons. Est-ce que je dois vraiment en attraper un? Je n'ai pas l'impression. Ah non! Ah, j'ai plus de fil. D'accord. Merci de nous mettre un tuto, le jeu, parce que... J'aurais été dans la panade. Ah ouais! Allez, car. Si vous courez. Là j'ai couru ou pas? Je sais pas s'il y a une touche pour courir. Ah, le mec s'est bloqué. Je sais pas trop ce que je dois faire. Ah, cet objet là, je peux pas le prendre, le parpaing là. Placer le pot vers la gauche. Oui, et après. Ah d'accord. Ah, on peut rembobiner. Ok. Là j'ai foiré du coup. Ah non, pas du tout. Ah, c'est malin un peu hein. Et hop, je fais ça. Get ça le beau gosse. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ça fait pas mal de temps que j'avais pas fait de... Et ben alors, que j'avais pas fait de let's play a priori. Je crois que le dernier en date, ben, je m'en rappelle plus. J'ai fait pas mal de choses depuis. Ah non, on va mourir. Alors qu'est-ce qu'il me faut ici? Ah oui, il y a un crochet encore. Attendez, le dernier en date, ce serait pas Sherlock Holmes? Non. Je vais vérifier. À mon avis, si je quitte l'écran quelques secondes, je vais pas rater toute l'histoire. Alors, le dernier let's play, c'est Limbo. Ah oui. Ah oui, d'accord. Bon, niveau gameplay, on est proche, mais pas trop non plus. Les surfaces qui scintillent comme ceci peuvent être escaladées. Utiliser le joystick pour grimper. Ça scintille, ça? Ah oui, ok. Il y a des mini-lucioles. Ok. Je suis trop fort en fait. J'ai fini le jeu. Appuyez sur un pour essayer de construire. Ouais. Juste là, c'est total impro. Il y a un truc. Je sais pas si j'ai fait un nœud ou quoi. Il y a un truc au sol.
Ah, c'est carré. Ah, c'est carré, mec. Avec nous, c'est carré. Et je fais tomber une pomme. Le monstre. Alors ça, j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. D'accord. En fait, il n'y a pas besoin de sauter quand je suis sur... vous sonnez du asso? Ouais. Ah, il veut plus le lancer. Et là... D'accord. Oh, quoi? Ah, oh, je suis Tambeau. J'espère que la musique est pas trop forte. Et là, comment je fais? Ah bah super. Ah là franchement. Et pourquoi je peux pas... Je peux pas me stabiliser. Merde, comment on défait le jeu? Ah, je peux même pas prendre d'élan, c'est nul ce que j'ai fait. Y'a de ça, je suis bloqué. Le jeu, j'ai perdu. Tu veux pas m'aider? Non mais en vrai, je me suis softlock là. On est bien d'accord. Pour faire des nœuds en grimpant. D'accord. Ok, non, c'est bon. We are safe. En grimpant, appuyez sur carré. Voilà. Le truc que j'aimerais faire maintenant, c'est aller sur la partie de gauche. Mais tu vois, j'ai pas assez d'allonge. Ah, quel con. Ah, j'ai compris. On va l'unwrap. Voilà, on va faire plutôt l'autre crochet avant. Là, tu fais ça. T'es mal beau, gosse. Là, on prend de l'élan. Enfin, un petit peu plus bas. Ouais, ça peut donner la gerbe, hein, je comprends. C'est pas moi qui ai fait le jeu, je vous rappelle. Voilà. Oui. Orienter le joystick vers le bas pour... D'accord. Et là on fait quoi? On meurt. Ah, en toute sécurité. C'est vrai qu'en vrai du fil qui tombe ça peut être un petit peu dangereux, j'avoue. Si bien pour lui que pour tout l'univers en fait. Vous voyez la lumière tournoyante. Si vous quittez et revenez à ce niveau... Ah, c'est bien ça. C'est bien ça parce que j'avoue que ça m'aurait mis les bouliches. C'est bon, on a un point de sauvegarde. Je comprends pas trop le jeu. Je sais pas si j'ai fil illimité ou quoi. Donc je peux faire un nœud. À quoi qu'il me servira celui-là. Ah, y a une pomme peut-être. Get ça, arrête de le pousser. Nous on va ici. Et Ah mais putain, je suis con, c'est vrai que je peux lancer mon lasso. Mais une pomme ça glisse en fait. Oh non, on va mourir. Pas très stable. Hein. On est en permanence en phase de défi de vie en fait. Get ça, comment elle tourne. Hop. Et c'est raté. Ah, je peux mourir genre. Attends. Parce que genre là, je suis de la ficelle. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Donc, une ficelle qui meurt. Et comment vous dire? Mais putain, je suis vraiment un cake. That's a piece of cake. Voilà. Toi, tu viens avec moi. Hop.
je te balance des ventilateurs. On fait ça. Et oui, et maintenant? Parce que ça dure des plombes, on est bien d'accord. Moi, je veux bien faire du montage et tout ça, mais au bout d'un moment, faut mettre du vote, les mecs. Genre là, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je vais à gauche ou à droite? Alors, faut que ça se remplisse complètement. J'ai l'impression qu'ici, ça bouge plus. Non, mais la pop qui glisse en plus, quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne veux pas m'aider. Et c'est quoi ce... C'est des caillasses qui... J'ai pas l'impression que ça monte encore. Ah ouais, on est vraiment en train de mourir, quoi. Ok, moi je pensais que c'était un jeu cool. Je vais peut-être préférer Limbo, en fait. Pour saisir des objets. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Cœur. Putain, je l'avais pas vu celui-là. Pour ça, je me disais, mais pourquoi je ferais un nœud ici? Eh ouais, il me faut plusieurs pommes. Ah ouais. Ah, par contre, si... On est d'accord qu'il n'y avait pas écrit ça auparavant. En déplaçant la pomme... Ou alors, je le vois pas assez. Je sais pas, en fait, le jeu a une sorte de grain flouté bizarre. Hop. Est-ce qu'on meurt si on est sous une pomme? C'est la question que tous les scientifiques se posent de nos jours. Do we die when we are under an apple? Bah là on est bien. En fait j'avais même pas besoin de 3 pommes si. Parce que si j'avais mis ma pomme tout à droite et que j'avais escaladé l'eau. Ah si, c'est pour faire monter l'eau encore plus haut vu qu'il y a des objets. Des objets. Get ça. Normalement, on arrive plus haut, non? Bon. On va dire que c'est bon. Si vous êtes bloqué... D'accord. Bah, j'étais bloqué tout à l'heure. T'aurais pu me le dire avant. Oh non. Oh, il va nous faire du mal. Les oiseaux, c'est vraiment des petits bâtards. Hein. Tout ce qui est plus petit qu'eux, ça se mange. J'ai rien d'autre à ramasser ici. Oh là, je suis en full course là. Plus rien ne m'arrête. C'est à la fois beau et moche. Je saurais pas comment dire. Ah, j'ai plus de cordes. Je peux pas. Ah mais c'est encore pire ce que j'ai fait. Est-ce qu'il faut descendre peut-être? Ah quel cœur. J'ai peut-être voulu aller trop vite. Ça c'est bien, au moins c'est un jeu qui me punit si je veux faire les choses trop vite et sans vraiment analyser. C'est bien ça. Et voilà mon pote. Ah et par contre je suis obligé de repasser par là. Donc il va vraiment falloir calculer quel est le chemin le plus approprié. Ça me sert à rien. Ok t'es chaud. J'imagine que c'est des mini points de sauvegarde. Oh, là il y a un truc. Merde. Je suis bloqué, patron. Ah, je peux vraiment plus remonter? Mais comment on fait? Genre là, a priori, selon vous, je suis en train de cheater, quoi. C'est pas trop ce qu'il fait le gars hein. Voilà, moi ce que je voulais faire c'était aller arracher les chardons de l'autre côté. Là. Je vois qu'il y a une médaille ou un truc.
Ok. Bah, on est juste trop fort. Et maintenant que j'ai débloqué ce truc-là... Ah, il faut que je l'emmène avec Moué. Viens là, petite... petite tricycle. Ouh, c'est bougrement intelligent. Tout ça pour débloquer la poignée. Mais, j'ai envie de dire, de base, vu que j'ai raté la première cinématique, je sais pas trop ce que je dois faire. Est-ce que je dois m'enfuir pour aller chercher de l'aide, parce que j'ai vu qu'il y avait une vieille personne? Et donc peut-être qu'elle est malade potentiellement. Va savoir. Comment j'atteins ce truc là? Oups! Attends, mais en vrai, le jeu est pas si facile. Hein. On pourrait croire, mais... Bon là, c'est peut-être moi qui joue pas bien aussi. Hein. Faut dire que là, il est quoi? 9h40? Je me suis réveillé à quoi? 9h? Ça fait 40 minutes que je suis debout. Le mec fait déjà des jeux d'énigmes. Ah putain, mais ma corde va pas assez loin aussi. Et là, on a quoi? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais là, il y a une médaille. Le gameplay de dingue. Est-ce qu'on part du principe que ce premier nœud était peut-être pas nécessaire? Je sais pas trop, hein. Ou alors prendre beaucoup plus d'élan. Voilà, petit truc du genre là. Ok. Et maintenant? Ah putain, je l'ai vu. Ah mais il est vachement loin. Comment je fais? Voilà. Et là on est bon. Qu'est-ce que ça, les langues j'ai? Des tricks de malade. Bah, par contre, j'ai plus beaucoup de cordes là. Ok, on voit des souvenirs. Mais pourquoi pourquoi on détruit des plantes genre et ça ouvre des cailloux? Assez mystique ce qui se passe ici. Ouais. En fait, ouf. En fait, j'ai acheté ce jeu parce qu'il était vachement en réduction. Et je me suis dit que dernièrement c'était vachement les le style de jeu qu'on faisait sur la chaîne. Bon, que je fais, parce qu'apparemment, le public, je ne l'ai pas encore rencontré. Mais c'est pas grave. Au moins, s'il y a un mec fan de platformer, il dira ah, putain, bah il a fait tous les jeux sur sa chaîne. Mais. Je suis con à ce point-là, c'est pas possible. Non, mais lâche! Enfin, pas tous les platformers, mais. Tous les petits trucs d'énigmes, voilà. Truc sympatoche quoi. Après j'aimerais bien faire Inside, mais pardon, mais de mémoire c'était assez compliqué. J'avais vu un let's play de PewDiePie à l'époque, faut que j'arrête de roter peut-être, et ça m'avait l'air vraiment beaucoup plus dur et bien plus flippant. Ok, un hérisson, il va me tuer. Non, c'est bon, faut que j'oublie que je suis pas dans un jeu avec des méchants. D'accord, mais le cube au final. Hein. Et là, je l'emmène avec moi. Putain. Heureusement que j'ai eu des expériences avec Limbo et Little Nightmare. Là, j'aurais été bloqué pendant 40 jours à peu près. Ah, je l'avais pas vu. Mais il veut pas sauter. T'es fou? Nous aussi on est fou.
On va déconner, oh. On va s'en jailler. Ah, c'est moins plaisant ici. Eh ben, ça tombe bien, je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce premier épisode sur Unravel. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du jeu. Est-ce que vous voyez aussi ce petit filtre sur YouTube un peu dégueulasse? J'ai récemment changé de câble HDMI, donc peut-être que les captures seront bien différentes. Et j'espère passer sur soit une PS4 Slim, soit une PS4 Pro d'ici quelques mois avant la PS5 qui arrivera peut-être en 2022 si on a de la chance, on croise les doigts. Mais en tout cas, j'aimerais bien step up un peu au niveau de la qualité d'image. C'est vrai que avec la PS4 Fat, la basique sortie en 2014, ou 2013 d'ailleurs, ça commence à être pas très très beau, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très très vite pour la suite. Ciao les rivaux. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça me sert? J'ai oublié ce que ça voulait dire, les petits trucs. Ah, je l'ai. Ok, get ça. Je te fais un nœud ici. Et je te fais un autre là. In order to bring the cube back. There. And... there, I think. Ok, le mec va pas commencer à parler en anglais, sinon... bah, plus personne va comprendre. Ou peut-être que je devrais tout faire en anglais pour essayer de me faire une carrière à l'international. Baby yes, baby non. Parce que juste avant de lancer le premier épisode, là, tout à l'heure, j'étais en train d'essayer une application de prononciation qui s'appelle Elsa. Et c'était horrible. Vous savez comment c'est chiant quand il y a genre quelqu'un qui dit « Ah, mais ton accent anglais, il est vraiment pas fameux, quoi. » Et ben... ok. Et ben là, c'était le cas, à chaque fois. Parce que du coup, genre, tu sais, c'est avec le micro de ton téléphone, c'est pas non plus un micro incroyable. Et c'est une IA qui écoute le truc. Donc, cinématique, peut-être. Pièce manquante, j'ai eu un trophée. Yay! Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, il y a une histoire, il y a une histoire. Ah bah, c'était l'histoire. J'aime bien les petits jeux qui se disent entre guillemets poétiques. Dans le sens où bah, y a pas besoin de paroles parfois. Et c'est assez cool. On repart tout le temps dans la même direction là, je sais pas trop. Ah, y a 5 secrets. Oh, la mer. Purée de fruits rouges. Apparemment c'est pas débloqué. Bah, on va partir to the beach. Tu vois, genre là l'application elle m'aurait dit non, c'est to the beach. Il faut allonger le EA. Et des fois, c'est pas faux, hein. Des fois je prononce mal les trucs et je suis en mode, bah rien à foutre, parce que de toute façon il y a que des francophones à côté de moi, ils sauront pas si je mets pas le bon accent ou quoi. Mais mine de rien, c'est important. Mine de rien. Oh, je sens que ce décor va me plaire. Alors moi, faut que vous sachiez que je suis absolument fan des sapins. Ouais, des sapins et des fougères. Tu me mets dans une forêt de sapins fougères, j'emménage ici, clairement. C'est un des trucs qui me manque le plus en Île-de-France. Il y a quelques semaines, j'étais en Bretagne et j'avoue que... ça m'a fait plaisir de revoir un peu de végétation diverse plutôt que juste des platanes ou des chênes basiques. Alors, l'énigme s'annonce ardue. À tel point que je suis un peu perdu. Ok. L'énigme s'annonce... ok. Ok, tiens, le mec change totalement d'avis, c'est absolument incroyable. Ça s'est raté par contre. Et ça c'est beau. Ok, moi je suis déjà à la fin de l'énigme. Je pense que j'ai été un petit peu trop vite en besogne. Qu'est-ce que ça? Je cheat en fait. Ah, ça aurait été trop beau. Qu'est-ce qu'il me faut relier au banc?
Ah! Mais ma corde est trop longue du coup. Et si je retourne ici? Non, c'est bon. Get ça. Et là? Fin du jeu! Ah non! Ce qui est bien, voilà, c'est ça, c'est que je peux, comme je disais l'autre fois, rembobiner. Et c'est plutôt cool. Ah, mais ma corde va pas du tout assez loin. Est-ce qu'il me faudrait pas un peu, petit peu plus de fil? Ou alors, plus le tendre? J'ai pas l'impression. Attends, mais... Est-ce que je peux viser en lançant mon petit lasso? Voilà. Oh, oh. J'avoue que ça file un peu la gerbe. Oh la vache! Ça a l'air dur, hein? En vrai, c'est étrange. Parce qu'à la fois, c'est dur. Mais c'est pas non plus l'énigme à tonton Jackie, quoi. Alors là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Le scroller va pas plus sur la gauche, donc j'imagine que ça se passe ici. Ouais, non. It would have been beaucoup trop beau. Ah, je suis Keblo, ça y est. Ah non, c'est bon. Bah ici, basiquement. Ok. Quoi? Ah putain, je l'ai. Ce qu'il faut. Faut juste faire ça. Et là, tac. Ouais, j'avais fait un nœud de trop en fait. C'est pas mal le fait que bah si tu fais un nœud de trop, t'as pas la bonne longueur, il faut que tu recommences. Je trouve ça assez cool. Parce que t'es pas non plus en mode bah voilà, game over. À mon avis, faut pas lâcher, hein. Par contre, là, mon fil a pris une toute autre longueur. Ah, je suis mort? Qu'est-ce que... J'ai pas pigé trop. Faut peut-être que je descende quelque part. Alors, le truc, c'est que les branches... Ah, je crois avoir compris. Le mec au bout de trois fois. Et noix de coco. D'accord, ok, ça a l'air d'être ça. Ah ouais, mais le jeu, tu m'expliques pas aussi. Moi, je peux pas savoir ce que tu attends de moi. Alors, c'est aussi bien que le jeu nous explique pas tout. J'ai bien conscience de ça. Et... Je suis allé trop loin? Non, c'est bon. Mais parfois, genre, juste un indice, genre, restez bien accroché, parce que sinon, vous allez le regretter. Je suis en mode... Ah putain, c'est de l'autre côté. Ah, énorme. Et pourquoi je ferais ça en fait? Non, c'était bien à droite la suite de l'histoire. En fait, j'ai cheaté de ouf. Eh, rien à foutre, j'ai juste à remonter par là, moi. Bah oui, bah... Attends, je suis peut-être juste un génie, en fait. Ouais, c'est bien ça. Et maintenant? Là, je vais pas avoir assez de cordes.
Il y a quelque chose en bas, dites-moi. En fait, vous voyez, c'était fait de profondeur de champ qui est à la fois bien et pas très bien. Je sais pas comment dire ça, mais... Ah, j'ai plus de cordes. Ah, Jimmy ! Oh, putain. Oh, il y a eu un flash dehors. Et c'était même pas la foudre. Ah ! C'est étonnant que le fait de faire une chute de haut soit considéré comme un game over. Donc oui, je comprends bien le terme, genre ben c'est un jeu, il faut qu'il y ait un peu de trucs où tu puisses mourir, quoi. Mais en fait non, c'est pas hyper logique selon moi, parce que genre je suis une ficelle, et même si on m'a un comment dire, si on m'a donné, oh putain. Ah mais c'est un crabe, je crois que c'était une grenouille, je me suis dit ouais, grenouille d'habitude on est potes. Bah le mec il s'est jeté directement dans la gueule du loup. Non ça va, on meurt pas. Normalement j'ai les tissus un peu plus serrés là. Get ça. Je sais pas si je suis en mode speedrun ou si c'est vraiment le chemin qu'il faut faire. Oh. J'ai plus de longueur. Qu'est-ce que j'ai? Ah mais il est juste en bas. Oh, je suis vraiment une quiche parfois. Allez, tu peux le faire. Oh non, je voulais cheater. Ah, oh, il y a un truc dans l'eau. Mais pourquoi il remonte pas? J'ai pas trop compris. Oh quoi? Oh non, ça va. J'ai cru que je reprenais de... Hein ? Du cerf-volant. Donc là c'est bon, tout est resté en place. En place garçon, en place ! Reste concentré. Et... le crabe. Est-ce qu'on doit faire quelque chose avec lui ? J'ai pour l'impression là. Donc moi je souhaite aller... Bah je souhaite juste monter en fait, donc... Très étrange. Et pourquoi il y a ces piliers entre guillemets slash morceaux de tube de fer dans une pierre? Est-ce que c'est habituel dans la région? Peut-être pas se casser la gueule une troisième fois. Et là c'est bon. Ok beau gosse. Le mec a peur de tout. C'est incroyable. Oh non. Oh putain, si elle voit un petit être vivant, je peux te dire qu'elle va me bouffer la mouette. Hein. Bouffe-moi la mouette. Bon, j'ai bien compris qu'il fallait faire un nœud ici. Mais pourquoi faire? Peut-être fait une bêtise là. Oh non, tu déconnes. Les musiques sont belles. Mais... Oh, d'accord. C'est une question de timing. Bon, là, clairement, on n'y va pas. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. Je suis mort. Et là, là, je suis enseveli, non? Ah non, c'est bon. Ah bah ça va mieux quand on a un peu de longueur. En vrai je suis vraiment un gosse, parce que une phase où il y a juste de l'eau à esquiver avec un mini timing, je retombe en enfance et je suis en mode c'est trop dur, j'arriverai jamais à Zelda Minish Cap. Alors que bon, a priori
priori, si je fais ça, je perds beaucoup de longueur. Ah, arrêtez. Ah, mais là, je suis mort. D'accord. Est-ce qu'en remontant par ici, je perds pas trop de longueur? Ouais, si. Mais j'ai l'impression de pas avoir vraiment le choix. Ça m'embête un petit peu, j'ai l'impression d'avoir fait dans le désordre. Moi je peux le tenter, mais si vous voulez... Bon allez, on le tente. Oh la vache! J'ai plus beaucoup de cordes là. Ah mais là j'ai pas assez. C'est bien ce que je pensais en fait. Oh non. Ah c'est bon. Et je me suis dit si ça s'arrête là, fin du rêve. D'accord. Est-ce qu'il fallait passer par en haut ? Pas. À quoi ça me sert ce truc? Juste à escalader ou... C'est assez obscur, j'avoue. Oh la vache, c'était tendu. Hein. Là, en général, quand je me mets à plus trop parler, c'est que je suis pas serein. Ok, et de là, ça part. Et maintenant que je suis là... Mais là, j'aurai jamais assez de longueur, on est d'accord. Pardon? Je suis le cheater fou, c'est le mec. Bon, au moins je peux remonter. En fait, le truc, c'est que je sais jamais vraiment quelle longueur il me reste. Je sais pas si c'est un truc qu'ils ont corrigé avec le second jeu. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque, genre peut-être une petite barre de vie. Le petit barre de vie. Je sais pas trop. Bon là on voit que. Là on voit que je suis fou si tu veux, mais peut-être un pourcentage ou ouais, quelque chose. Oh toi tu veux. Non c'est bon. Regardez cette moule. Oh non, j'ai fait l'erreur de ma vie. Non, c'est bon. Je pensais qu'il fallait sauter sur le pote. Ah! Ok. J'ai jamais aimé les crabes de toute façon. Même quand j'étais petit, je crois que j'ai été pincé une seule fois. Ça m'a suffi. Non, mais je te vois. Hein. Get ça, le mec. Mais viens, bâtard! Ah, il reste là-dedans. C'est-à-dire... Ah... Et là? Ouais, mais là, il me faut la ficelle à tout prix, comment?
comment faire. Donc là j'ai bien compris. Ça, c'est assez tendu ça. Donc attends, ça je peux le défaire. Ça aussi. Ça me permet de récupérer un petit peu de longueur. Et là on fait juste ça. Ouah, ouah, ouah. Oh je glitch. Ah non. Oh la vache, est-ce qu'il m'a mis le gars? Aucune pitié. Bon, il est plus là. J'ai envie de dire youpi hurrah. Mais à la fois je ne sais pas si c'est de bon augure. Est-ce qu'il faut vraiment garder ce nœud ici? Ok. Je pensais pas que ça ferait suffisamment la distance. Ça c'est beau quand même. Qu'est-ce que c'est que le truc à gauche? C'est un lapin? Quelqu'un encapuchonné? C'est une blague! Comment je fais? Eh mais maintenant. À moins qu'il faille le tendre au maximum. Regarde là j'ai encore de la longueur en vrai. Oh putain. Oh le glitcher. Allez là. Mais regarde. Ah c'est vraiment le max quoi. Oh la torture. Oh je... J'avance là, j'avance. Non j'avance plus. Attends mais en vrai comment t'arrives à débloquer ça en tant que lasso et ne plus pouvoir avancer? Là-dessus le jeu est vraiment pas cohérent quoi. Mais bon, si on veut vraiment chipoter dans les détails. Non mais je vais vraiment rester bloqué là-dessus. Genre c'est nul quoi. J'ai gagné autant de longueur ici. For nothing. Ou alors faut remonter plus loin mais ça pète le cul. Ça pète les mecs hein, ça pète. Et là genre tu peux pas, je vous le montre avec le doigt mais ça sert à rien, mais tu peux pas monter sur la pierre qui est juste devant avec les petites feuilles. Et c'est beaucoup moins haut. Et tu nous fais pas chier du coup. Non. Ouais je vois que t'as pas trop envie de ça toi. Ok, donc on est ici. La seule chose que je puisse faire, c'est un nœud entre ce point là et celui de là-bas. Celui-ci. C'est peut-être pas ça du coup. Le truc c'est que je vois rien d'autre. Et c'est embêtant, parce que j'ai l'impression que cette manivelle je peux pas non plus... Tu vois je peux pas la remonter, ni la faire aller dans ce sens là. C'est Keblo en fait. Tout ce qui est Keblo, J'aime pas solo. Attends ici je fais ça, get ça. Le joueur fou. Ah mais si je fais ça. Non mais attends si je le fais vraiment. Genre premier dug. Ah non ça remonte pas. Donc il faut vraiment garder la tension ici. Sauf que là je peux rien faire, on est d'accord. Je pense qu'il y aura une coupure. Quoi? Et là ça passe? Il y aura pas de coupure. Non! Ah bah on est mort. Non c'est bon. Putain faut que j'arrête de stresser pour rien. C'est terrible d'être... Alors, ça doit être horrible à regarder. Là, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Jusqu'ici, je suis juste un pro player. Oh, je vais glisser. Hein?
Hein? Comment? Ah d'accord. Faut le faire passer mais Ah oui, il le ramène loin en plus. Mais là il y a un souci, non? L'écluse. Et voilà, le glitcher fou. C'est moi. Salut. Ça se trouve, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire le jeu. Et moi, je suis en mode, je suis trop fort. Mais qu'est-ce que ça? J'ai même pas besoin de faire le crochet du bas. Non, mais il y a un souci, je pense. Je pense qu'il faut descendre pour quelque chose, mais... Ça peut pas être aussi simple en fait. Les mecs se sont pas juste dit Ah putain. Les mecs ont pas dû se dire vas-y on va laisser ça parce qu'on voit qu'on peut glitcher ici. Il y a forcément quelque chose que j'ai pas dû comprendre. Ah, je l'ai. C'est juste que pour moi les touches sont genre assez étranges. Je sais pas si j'arriverai à me faire comprendre. Genre là, je peux aller à droite. Ok. Oh, bah j'avais pas vu le chrono. On va s'arrêter ici. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos sur Unravel. Et j'ai acheté un autre jeu en même temps. Faites glisser le doigt vers le bas pour faire une catapulte sur le pont. Ah ouais? D'accord. Et j'ai un autre let's play qui est en attente sur un jeu que j'attendais moi-même personnellement depuis pas mal de temps. J'espère qu'il vous plaira. À bientôt.